Nous nous trouvons dans une très vieille église, l'église Saint-Jacques de Perros-Guirec. Elle aura bientôt 1000 ans. Elle fut construite à partir des années 1070 et les dernières constructions remontent à 1953. Donc nous allons trouver dans cette église tous les styles de construction qui s'étagent au cours des siècles, depuis le XIe siècle jusqu'au XXe siècle. Alors, pour la partie la plus ancienne, c'est-à-dire la partie que l'on dit romane, c'est une partie qui a été construite entre le XIe et le XIIe siècle. Elle a été commencée donc dans les années 1070, mais a subi un tremblement de terre énorme dans les années 1097. Ce tremblement de terre a détruit la partie gauche de l'église et une partie de la partie droite, ce qui a valu une première reconstruction de l'église au début du XIIe siècle, à partir des années 1210. Ensuite, on trouve une grande étape de construction au XIVe siècle, pour la partie qui se trouve devant moi, et puis des reconstructions diverses et variées à partir du XVIe siècle, pendant le XVIIe siècle et pendant le XXe siècle. Donc à l'origine, on avait une chapelle, hein, très probablement, construite par des moines. Et on en a pour preuve des décors, hein, qui sont restés très visibles dans le haut des piliers. On retrouvera, pardon, l'histoire du tremblement de terre dans l'aspect des colonnes. Hein. Ces colonnes sont différentes, hein, suivant le côté gauche ou droit. Mais on a aussi une belle histoire qu'on ne retrouve plus dans les églises après cette période-là. Ce sont des témoignages, des représentations de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et en même temps, on a des décors qui sont des décors qui sont inhabituels maintenant dans une église, ou en tout cas après dans la période gothique. Eh bien, ce sont des figurations de symboliques celtes, très certainement, du soleil, de la lune. Donc, lorsqu'on a encore un regard sur cette partie romane, ce qui est très très important à voir dans cette église, ce sont les fenêtres les plus anciennes, hein, des églises romanes, hein. Alors ça fait penser plutôt à des meurtrières qu'à des fenêtres. Maintenant, on a maintenant des vitraux, des fenêtres qui sont beaucoup plus larges, et ça, on doit ça à la période gothique où on a voulu faire rentrer la lumière, alors qu'à la période romane, on voulait au contraire l'empêcher de rentrer, et surtout on voulait se protéger davantage. Alors, lorsque vous avez aperçu cette église, hein, depuis le ciel, vous avez vu au loin la mer. Eh bien, c'est intéressant d'avoir ce regard, parce qu'on s'aperçoit que l'église et donc cette chapelle, la première chapelle de moines à l'origine, a été construite donc sur le point le plus haut du territoire. Alors, donc après la partie romane, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la partie qui date du XIIIe, XIVe, c'est l'agrandissement, hein, pour former à ce moment-là une église, hein, un endroit de prière plus important. Donc on élargit les lieux de prière, et au niveau donc de l'architecture, du style de l'église, eh bien on a 5 piliers qui viennent s'ajouter. Et derrière, pour fermer cet espace-là, on a une abside, hein, qui est construite. Et l'abside, donc, est très certainement celle que l'on a derrière le retable aujourd'hui. Sauf que la maîtresse vitre que l'on a aujourd'hui, hein, le décor, l'intérieur, l'organisation de l'intérieur de la vitre, hein, c'est ce qu'on appelle le remplage, donc a été modifié certainement par rapport à ce que l'on voit, ce que l'on avait, pardon, à l'origine. Hein, on n'a pas de trace de ça. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que le remplage que l'on a aujourd'hui, hein, qui est assez atypique dans cette église, c'est un style de Renaissance bretonne. Là encore, une particularité de Saint-Jacques, parce que ce sont des décors maintenant de remplage qui sont assez rares. Alors, la dernière partie, l'agrandissement, le dernier agrandissement de cette église, ce sont les deux transepts, donc deux transepts nord
et sud. Alors, le transept sud accueille depuis une vingtaine d'années un orgue, un très bel orgue, hein, d'une très belle facture ici pour Perros. Et le transept nord accueille un très beau vitrail que l'on doit à un atelier de Quintin, Hubert de Sainte-Marie, et qu'on ne connaît pas assez, c'est dommage parce que ce vitrail relate la vie de Saint-Yves. Donc voilà pour l'organisation globale. Alors évidemment, il y a un décor, il y a évidemment un mobilier qui est très très important dans cette église, c'est le retable. Hein, le retable qu'on voit tout de suite en arrivant depuis le fond de l'église, hein, qui est extrêmement décoré, doré. Et en fait, ce sont des décors quasiment qui font penser à un théâtre, hein, avec tous ces petits personnages, hein, qui semblent animer l'espace. Et en fait, ce retable date du XVIIe siècle. Et à cette époque, d'où venait ce retable? Eh bien, il y avait des marchés, des marchands en Europe qui créaient sur des modèles qui étaient inspirés de l'Italie assez souvent, et ces modèles étaient rachetés par les artisans, par des ateliers qui construisaient les édifices religieux, et on reproduisait ces modèles. Alors on a une chance ici, effectivement, dans cette église de Saint-Jacques, c'est un modèle de retable assez unique et encore une fois assez spectaculaire dans son aspect. Alors, anecdote sur le clocher. Le clocher primitif, on ne savait pas ce qu'il était. Le clocher du XIVe siècle, on a la tour qui supportait un clocher vraisemblablement en bois. Il a dû brûler. Donc une fois que le clocher fut brûlé, on a pensé à refaire un clocher en pierre de granit rose sur le dessus. Alors on a commencé à faire un clocher suite à un voyage de recteur en Italie. Et quand le recteur est revenu d'Italie, il avait vraisemblablement vu la cathédrale de Florence. Et sur la cathédrale de Florence, il y a un magnifique dôme, comme chacun sait. On a voulu faire pareil à Perros, voilà. Et donc, une fois le clocher actuel mis en place, hein, c'est un clocher de forme octaédrique, avec un dôme par-dessus. Et de chaque côté du dôme, on a mis un décor ressemblant à un décor breton, parce que jusqu'à présent, on ne savait pas quel était le décor de ce clocher. Quand les Perrosiens ont découvert ce clocher lorsqu'il a été mis en place, ils se sont mis à rire, parce que le clocher ressemblait étrangement à un moule à fromage blanc retourné. Voilà. Alors on a dit au recteur, c'est pas normal d'avoir un moule à fromage blanc sur notre église. Alors le recteur suivant a amélioré le système en mettant autour de ce clocher un décor vraiment Renaissance bretonne, c'est-à-dire une belle balustrade octogonale. Voilà. Et donc tout le monde a été content puisque le clocher avait été rebretonnisé. Alors au niveau des décors les plus récents, donc on a des vitraux et un chemin de croix. Alors, commençons par les vitraux. On voulait en couleur décrire et redonner l'esprit de la religion. Donc on a notamment ici trois fenêtres qui ont été décorées par un artiste qui s'appelle Gevel, un artiste parisien. Elles sont conçues sur la base de trois couleurs, le rouge, le bleu et le blanc. Alors le rouge, c'est la couleur de l'amour, le bleu, la couleur du ciel et de la terre, et le blanc, la couleur de la résurrection. Et c'est sur ces trois dominantes de couleurs qu'on retrouve les thèmes des trois vitraux. Donc celui qui est sur le transept nord, c'est celui donc qui rappelle Pâques, la résurrection. C'est dans ce vitrail qu'on a une dominante de blanc. Sur le transept sud, donc, vous avez donc sur le plus petit beaucoup de langues de couleur rouge. Donc ça représente la Pentecôte. Et puis vous avez une troisième fenêtre avec quatre parties. Donc la partie au-dessus représente le Saint-Esprit qui domine le monde.
et en dessous les trois parties avec des évolutions, avec des mouvements hein, qui représentent l'état du monde. Parlons maintenant du portail sud. Le portail sud se trouve maintenant côté sud à l'extérieur de l'église. Primitivement, il était dans la rentrée de l'église, c'est-à-dire à l'ouest. Ce portail était situé environ un mètre plus bas qu'il n'est actuellement. Parce que le sol de l'église romane, dans laquelle si vous cherchez les bases des piliers, vous ne les trouverez pas, se trouve à un mètre sous le sol actuel. Ce qui veut dire que notre église romane était très haute et qu'elle avait un portail roman qui avait été refait après le tremblement de terre, puisqu'il est toujours là, et que ce portail romain non seulement avait été refait après le tremblement de terre de 1097, mais après la première croisade. Donc il est daté de 1111, pour mettre les choses au clair. Alors, le décor de ce portail va refléter le combat du bien contre le mal. Pas besoin de s'étendre, vous savez où est le bien, vous savez où est le mal. Il va être orné en plus de décors tout à fait spécifiques à Perros-Guirec, puisque dans toutes les églises romanes que l'on connaît, ce décor n'existe pas. Il s'agit d'un décor fabriqué avec des corps de poulpe. Le poulpe, c'est un animal que les pèlerins de Saint-Jacques trouvaient en sautant des bateaux qui les avaient amenés à Perros,